Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons faire l'actualisation de la liste des top crypto-monnaies meme coins, les meme coins que tu pourrais avoir lors, avant même que le bourron commence ou qui pourront te faire profiter du bourron, s'il vous plaît. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Je peux toutefois, comme j'ai l'habitude aussi, de me tromper aussi sur certains de mes analyses, sur certains projets. Comme quoi, tu peux les avoir, mais lors du prochain marché haussier, ça ne va pas, ça serait du vent. Mais nous allons analyser pour ceux qui aiment. J'ai remarqué que franchement, quand on parle de meme coin ici, les gens sont fiers. Les gens aiment les crypto-monnaies avec beaucoup de zéros. Donc nous allons analyser cela rapidement dans cette vidéo, certains meme coins qui pourront franchement sortir la tête de l'eau, selon mes analyses personnelles, qui ne sont pas bien sûr des conseils d'investissement, sortir la tête de l'eau face à ce marché haussier qui s'annonce. Alors donc, si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi et n'oublie pas, active cette notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car si je veux t'apporter l'information en temps réel, tout ce que tu dois savoir dans le cours de la crypto-monnaie, c'est ici. Alors, donne j'aime la vidéo, j'ai aussi un abonné avant de commencer. Alors, les gars, oui, je tiens à vous dire encore une chose. Achetez et vendez facilement vos crypto-monnaies sur Easy Exchange. Les gars, ceux qui ne savent pas, Easy Exchange est un partenaire officiel de notre confraternisation. L'événement qui rassemble les Africains venant de partout du monde entier. Et cette année, on le fera au Bénin. Donc, si tu veux acheter tes crypto-monnaies ou vendre tes crypto-monnaies moins chères, mon frère, uniquement sur Easy Exchange. Non! Si aussi tu es un abonné de Cliquez pour gagner, tu n'as pas encore un compte et tu es en Afrique, tu n'as pas encore un compte sur Easy Exchange, va créer ton compte, s'il te plaît, et fais ton KYC. Tu vas voir les avantages que Easy Exchange t'offre. Easy Exchange, merci pour ce partenariat, pour la confraternisation. Et les gars, venez connaître aussi les gens d'Easy Exchange lors de la confraternisation si vous pouvez venir. Alors, moi, je serai présent dans quelques jours en Afrique. Alors, commençons par les mêmes quoi, les gars. Ceux qui ont regardé cette vidéo, s'il vous plaît, celle-ci, bourron décidé. Les gars, vous savez, nous sommes en train de rentrer peut-être en quelque sorte dans le marché haussier. Dans le marché haussier. Et ce marché haussier, les gars, je vous dirais simplement, allez regarder cette vidéo-là. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre de celle-ci. Donc, regarde celle-là, celle-ci-là, cette vidéo-là. Bourron décidé, BlackRock, analyse crypto, Bitcoin, FR, Bitcoin. FR, regarde cette vidéo là pour mieux comprendre celle-ci. Donc, on va commencer. Et dans la liste, le premier meme coin que tu dois avoir, c'est le Dogecoin. Les gars, ceux qui aiment, je dis bien, ceux qui aiment les meme coins et sont fanatiques des meme coins, les gars, si vous n'avez pas le Dogecoin, c'est que vous n'avez pas les meme coins. Parce qu'il y a certaines personnes, eux, ils investissent uniquement dans les meme coins. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bon, moi j'ai dit souvent, il faut investir dans les projets consolidés. Certes, aujourd'hui même les projets consolidés nous montrent qu'elles sont déconsolidées, malheureusement. Et le Dogecoin, c'est le premier meme coin en quelque sorte qui a vraiment vu le jour et qui s'est consolidé. Pourquoi tu dois avoir le Dogecoin? Ça, c'est selon moi. Attention, ce n'est pas un conseil d'investissement. Tu dois avoir le Dogecoin parce que d'abord, le Dogecoin a fait ses preuves sur l'écosystème. Un peu comme le Bitcoin avec les autres altcoins. Donc le Dogecoin, c'est le papa même des meme coins. Le papa même, le boss même des meme coins. Donc, que tu dois peut-être avoir, si tu veux bien sûr, avoir le Dogecoin. Parce que lors du prochain marché haussier, ça pourrait nous surprendre que le Dogecoin nous surprenne comme elle a toujours fait. Le Dogecoin a quitté de rien, tu le vois, le Dogecoin a quitté de rien depuis sa création. De rien, je dis de rien même, pour devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Même elle est presque montée à presque. Il restait 30 centavres de dollars pour que ça fasse 1 dollar lors du marché haussier précédent. Et aujourd'hui, elle a augmenté un zéro. C'est ça. Donc, le Dogecoin peut être. J'ai dit, les gars, je peux toujours me tromper. Ne venez pas, s'il vous plaît. Je suis pas, je n'ai pas la boule de cristal. Et aussi, le Dogecoin, nous voyons que Elon Musk, le papa même, le papa même des meme coins, est avec le papa même des crypto-monnaies. Qui est le Dogecoin, qui est son chouchou. Mais il fait semblant qu'il n'aime pas, mais il aime très bien le Dogecoin. Donc, ça, c'est la toute première, le tout premier meme coin que tu dois avoir. Si tu es dans l'écosystème de la crypto-monnaie et que tu dois avoir un meme coin pour profiter du prochain bourron. Alors,
Le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, Pépé, les gars. Oui, Pépé. Pépé, des pépiteurs, des pépiteuses que nous sommes sur ces chaînes. Oui. Oui, tu dois voir Pépé. Oui, sincèrement. Si tu es un pépiteur, tu aimes les projets avec beaucoup de zéros, Pépé n'a pas encore peut-être dit son dernier mot. Peut-être Pépé a, comme j'ai dit, je n'ai pas la boule de cristal, les gars, s'il vous plaît. Je fais de mon mieux pour vous apporter l'information selon mon expérience et ma connaissance. Comme je l'ai dit, je peux toutefois me tromper. Après, c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Alors, pourquoi selon moi tu dois avoir Pépé? Pourquoi selon moi tu dois avoir Pépé? Oui. Selon moi, pourquoi tu dois avoir Pépé? Parce que d'abord, quand tu prends Pépé, c'est un projet qui est récemment lancé. Il faut comprendre que quand les projets se lancent récemment comme cela, elles ont une forte chance, hein, sur le temps de dire beaucoup. Pépé a été lancé uniquement qu'au mois de mai. Donc Pépé n'a même pas encore fait un an. Donc il y a beaucoup que Pépé doit faire. Et Pépé, son ATH, il y a encore des zéros, qu'elle peut encore bloquer bien. Parce que Pépé aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de baleines qui sont dans Pépé. Et l'écosystème de Pépé est différent des autres écosystèmes de Mémécon que nous avons l'habitude de connaître. Comme le savon, le Mémécon Pépé a distribué, a bloqué toute la liquidité. En quelque sorte, les créateurs même n'ont pas grand chose. Mais ils mentent, ils ont beaucoup. Hein? Voilà donc. Et ce qui se passe en plus, c'est que Pépé est sorti de nulle part et a été listé directement après sa création sur les grands échangeurs. Et il manque encore un échangeur. En fait, c'est ça. Il manque encore un échangeur sur lequel Pépé n'est pas encore listé. Est-ce que tu sais, tu connais de cet échangeur? Laisse en commentaire de la vidéo. Si tu te rappelles de l'échangeur sur lequel Pépé n'est pas encore listé et que si elle se liste, elle va encore attirer l'attention, hein, ou bien elle va encore garder, voilà, elle va attirer en quelque sorte l'attention des personnes qui aiment les mêmes coins comme le dos coin après Pépé. Alors avant de continuer la vidéo, pour vous donner le reste de la liste, les gars, vous connaissez ce Jack. Ce Jack, c'est le fondateur même de Twitter, s'il vous plaît, c'est le fondateur. Donc je vais faire, on va donner quelques informations et après on continue sur la liste. Donc restez focus ici. Et Jack, c'est le fondateur de Twitter, qui a vendu son Twitter à Elon Musk. Jack est en train de critiquer le fondateur de... Quoi peut-on? Le fondateur de Facebook, qui est l'agglomération Meta, Facebook, Instagram, et voilà. Il veut lancer un autre réseau social concurrent, faisant la concurrence avec Twitter. Les gars, vous savez, c'est la guerre aux titans. Aujourd'hui, dans la... Et l'autre, l'ex-CEO, celui qui a vendu sa boîte à Elon Musk, dit simplement que non, franchement, et le nouveau réseau social de Mark n'est pas cool. Parce qu'il nous montre ici que ça va prendre telle information, ta localisation. Les gars, tous les réseaux sociaux sont comme cela. Ça ne sert absolument à rien. Excusez-moi le terme. À rien. C'est vrai, il faut critiquer, il faut donner son point de vue. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, Facebook aussi a fait son temps, en son temps. Elle a fait son temps, Et elle ne veut plus. Aujourd'hui, c'est Instagram même. Beaucoup n'utilisent plus Facebook. Hein. C'est pas, si toi tu utilises Facebook, laisse un commentaire de la vidéo. Mais beaucoup utilisent beaucoup aujourd'hui Instagram. Mais Instagram aussi appartient à Facebook. Vous savez ça, non? Donc c'est l'agglomération. Donc, Facebook veut lancer la concurrence. La concurrence à qui? À Twitter. Mais le fondateur de Twitter vient épauler à l'actuel CEO de Twitter qui est Elon Musk en disant, en montrant les failles de les gars, tous les réseaux sociaux sont comme cela. Et il faut apprendre le temps de rester sur les réseaux sociaux et le temps de sortir des réseaux sociaux. Ne soyez pas en quelque sorte prisonnier dans les réseaux sociaux. Je crois bien que ceux qui font notre coup, un jour on va faire un chat voice. Si tu es dans notre bougie, puis laisse en commentaire de la vidéo. Si tu veux qu'un jour on fasse un chat voice sur la façon dont les réseaux sociaux nous laissent prisonniers et comment gérer son temps face aux réseaux sociaux. Parce que vous savez, ceux qui font notre coup, le coup qu'ils ont acheté, bien sûr. Si tu veux le faire, le premier lien de la vidéo, il suffit de cliquer sur ce lien, payer $80 et tu vas apprendre beaucoup de choses dans l'écosystème de la crypto-monnaie et même plus encore en développement personnel. Ce n'est pas seulement les crypto-monnaies si tu penses que c'est le cas de la crypto-monnaie. Alors, on continue. Après le Dogecoin et après Pépé, et la troisième crypto-monnaie que tu dois avoir,
que tu dois avoir, si tu veux l'avoir, bien sûr, c'est la monnaie Boon. Eh hey, les gars, je sais. Je sais, même Aristide. Non, mais toi, tu es malade. Oui, pardonnez-moi. C'est ce que je pense. Je vais suite à la liste. La monnaie Boon, nous savons, la monnaie Boon, c'est une monnaie dans l'écosystème de Shiba. Et si nous prenons la monnaie Boon aujourd'hui, la monnaie Boon, en quelque sorte, est un meme coin. Et aujourd'hui, le Shibarium, la monnaie Boon va servir de guerre pour le Shibarium. Et quand nous voyons, rapidement, voilà, on va voir la TH de Boon. Boon est arrivé à 3 dollars lors de son lancement. Et c'était lors du bourron précédent. Ouais, non. En fait, je ne sais pas si vous voyez l'analyse que je suis en train de faire avec vous. C'est pourquoi j'ai dit, mon frère, si tu regardes, s'il te plaît, cette vidéo doit passer 200 j'aime. Oui, si tu regardes, tu n'as pas encore donné un j'aime. C'est pas bien. Donne un j'aime à la vidéo et on avance. Donc, la monnaie, par rapport à son dernier attache, a perdu 97%. Eh, hey, les gars, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. Donc, quand vous êtes en train de voir, vous êtes en train de voir que, ah oui, c'est vrai. Mais peut-être ça pourrait être l'opportunité pour qu'elle puisse dépasser son prochain attache. Parce que, comme c'est. Son total suprême est bien limité et tout est déjà presque en circulation. Et nous savons qu'elle n'est pas listée sur des grands échangeurs. Déjà comme Binance. Or, Binance a déjà, comme vous le savez, le Shiba. Et la plupart de tous les échangeurs, Coinbase, ils ont déjà le Shiba là-bas. Donc, le Shiba, vous savez très bien qu'elle va venir la monnaie Gaze. Donc, quand on parle de monnaie Gaze, c'est comme si quelqu'un dit j'ai fait l'intégration de la blockchain Binance Smart Chain, mais je ne liste pas le BNB. Ça arrive. Mais vous comprenez déjà. Alors on continue la liste. Alors donc vous avez compris, donc ça c'est le troisième, Dogecoin, Pepe et Boon. Quatrième, le Shiba Inu, les gars. Oui, le Shiba Inu, les gars. Vous savez, et pour certaines personnes, le Shiba Inu a déjà dit son dernier mot et c'est mort. Ça peut être vrai, je crois à cette hypothèse. Mais je peux vous dire aussi que ce n'est pas encore trop sain. Ce n'est pas encore la mort assurée. Ce n'est pas encore la mort assurée. Vous savez, les crypto-monnaies ne meurent pas. Ceux qui pensent que les crypto-monnaies meurent, non, ça ne meurt pas. Ça ne meurt pas. Crypto-monnaies, ça ne meurt pas. Soit ça meurt et après ça ressuscite avec des pompes. Et nous voyons très bien que Shiba avait promis de rendre les gens millionnaires. Mais Shiba n'avait pas promis ça, attention. Shiba n'avait jamais promis ça. Rendre les gens millionnaires, milliardaires. Mais si nous voyons, Shiba a augmenté 1-0 carrément lors du bourron précédent. Et depuis sa création, nous avons vu ce qu'elle a fait. Regardez ce qu'elle a fait. Non mais franchement, elle est partie. Et ça a rendu une minorité millionnaire. Vous savez, les mêmes coins, les gars, c'est le risque assuré. Si tu es dans les crypto-monnaies, que tu es dans les mêmes coins là, s'il vous plaît, sois conscient du risque. Non, c'est le risque assuré à 100%. Mais imaginez les projets consolidés où le risque est aussi consolidé. Imaginez pire encore un meme coin. Non, là-bas c'est le risque même à 100%, mais voire à 8000%. Donc soyez conscient des choses auxquelles vous ferez face. Donc Shiba peut-être n'a pas encore dit son dernier mot. En tout cas, ça mon point de vue, hein. Shiba n'a pas encore dit son dernier mot. Nous sommes en train de voir que Shiba n'a pas encore dit son dernier mot. Et elle pourra dire son dernier mot. On attend le Shibarium qui ne sort jamais. Mais les gars sont stratégiques. Le Shibarium va sortir peut-être dans le marché haussier pour que ça puisse propulsionner peut-être le prix de Shiba. Je ne saurais vous le dire. Je n'ai pas la boule de cristal. Je dis bien. C'est mon point de vue. Et Shiba, la communauté Shiba, vous allez voir, ils ne sont plus trop actifs. Mais peut-être que si le Shibarium arrivait à sortir, ça pourrait réactiver ceux qui sont désactivés. Ça, c'est mon analyse. Alors, on continue. Alors, avant de continuer, on va parler de cette information, les gars. Comme je dis là, ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo-là, vous n'allez pas comprendre. Cette vidéo-là, c'est simple. Vous allez la voir en quatre. À gauche, à droite, c'est ici. Cette vidéo, il faut la regarder. C'est très important. On nous dit que les institutionnels arrivent. Et les institutionnels ont commencé par reprendre confiance aux crypto-monnaies. Les gars, ce n'est pas une question de confiance. Les institutionnels, là, si vous regardez cette vidéo-là, vous allez comprendre que c'est des personnes qui viennent manger aussi avec nous. Ou bien qui veulent, qui viennent pour nous manger. Bon, dans les deux camps, il y a quelqu'un qui doit manger l'autre. Mais après, en fait, on dit non, la confiance est revenue. Donc ça veut dire que pour eux, la confiance part et elle revient. En 2020-2021, c'était là la confiance. Et ils ont tout le monde, les ETF, non,
Black, tout le monde investit dans les crypto-monnaies. Pouf! La confiance est partie après et le marché baissier a commencé. Les gens ne peuvent pas pleurer. Et maintenant, la confiance revient encore, les gars. Soyez stratégiques. C'est des gens qui viennent et vous comprenez le pourquoi ils viennent. Donc, regardez cette vidéo pour mieux comprendre celle-ci. Hein, le bourreau décidé par BlackRock et chez Terra. C'est très important. Alors, je profite, je continue la vidéo. Alors, on a parlé de Dogecoin, on a parlé de PP, on a parlé de Bull, on a parlé de quoi? On a parlé aussi de Shiba. Mais les gars, vous allez me dire, oui, c'est fini. Non, c'est pas encore fini. On va encore parler d'un cinquième. Le cinquième, c'est quoi? Le cinquième, c'est Floku Unu. Les gars, vous savez, aujourd'hui, Floku Unu a eu la chance hein, et l'aimabilité d'avoir un regard tournant vers Floku Unu, qui est le regard de Elon Musk. Elon Musk qui a fait la surprise agréable hein, à l'équipe de Floku Unu en tweetant sur Floku Unu. Et si nous rappelons très bien, Floku Unu aussi était arrivée à son ATH. Elle était bel et bien arrivée à son ATH en 2022. Donc, Floku Unu, c'est un vieux projet, en quelque sorte, qui fait déjà un peu plus de 10 années sur le marché. Donc, regardez ici, là où elle était à son ATH. Elle avait seulement que 3 euros après la virgule. Aujourd'hui, elle a 4 euros. Imaginez si Elon Musk continue de faire cette propagande qu'elle est en train de faire à Floku. Imaginez où ça va arriver. Et Floku Unu est déjà listé sur quoi? Sur Binance. Parce que vous savez tout ce que le Musk tweet, vous savez que Binance aussi va lister. Peut-être s'il y a le temps, on va faire une vidéo parlant des listings de Binance. Hein. Si vous êtes, si la vidéo n'a pas 200 j'aime, peut-être on va le faire. D'accord? Alors donc, Floku Unu a eu la chance et l'amabilité d'être sur Binance. Et ça a donné ce que nous sommes en train de donner, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, et vous allez voir qu'elle n'est pas encore chez l'échangeur. Qui a remarqué ça? Un grand échangeur américain. Laissez en commentaire de la vidéo. Oui, oui. Laissez un commentaire de la vidéo. Je tiens à remarquer. Donc, ça veut dire que Floku Unu n'a pas encore peut-être, oh yo, bas la tête. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Peut-être Floku Unu n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être elle n'a pas encore dit, j'ai dit peut-être, elle n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être elle n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, pour continuer avec le dernier de la liste, alors donc, ceux qui veulent se former, ceux qui veulent avoir une bonne formation dans le cours de la crypto-monnaie, mes frères et sœurs, cliquez sur le premier en dessous de la vidéo, remplissez ce formulaire-là et vous allez recevoir un email de la part de votre équipe pour payer 80$ simplement en fait d'avoir toutes les stratégies pour qu'on puisse se préparer pour le prochain marché haussier. Et ceux qui ne savent pas aussi, les gars, nous faisons des vidéos short tous les jours. La date du prochain bullrun, est-ce que tu as déjà regardé cette vidéo-là? La date du prochain bullrun, c'est une vidéo courte qui explique le prochain bullrun et la date à laquelle elle va arriver. Est-ce que tu as regardé ça? Cool pour la regarder aussi. Alors, dernier, voilà, je vais dire certains projets rapidement ici. Dernier, presque le dernier projet, pas à 100%. Il va dire, oh, tu as pris Baby Doll. Non, on va dire, on va mettre aussi Baby Doll dans la liste. Ou bien, mettons Baby Doll dans la liste. Bon, pour certaines personnes, Baby Doll, non, c'est fini, hein, c'est mort. Pour d'autres, non, Baby Doll, il n'a pas encore dit son dernier mot. Moi, comme je dis, je n'ai pas la boule de cristal. Je ne sais pas où le bon Jésus va apparaître un jour. Je sais que Baby Doll, aujourd'hui, elle fait de son mieux. Mais Baby Doll, c'est un vieux projet. Une fois, elle a commencé à tweeter. Je ne sais pas, c'est pas un pur hasard ou c'est pas. Mais Baby Doll, lors de son, voilà, l'ATH, elle a toujours des zéros. Mais aujourd'hui, l'équipe, elle montre beaucoup de choses et bien d'autres choses. Donc, la surprise peut être encore agréable ou désagréable. Je ne saurais vous le dire. Alors, je vais dire encore une chose. Baby Doll cherche un listing sur Binance. Donc, on attend. Nous allons parler aussi de la monnaie Dog Elon. Oh non, Dog Elon, non. On est fatigué. Franchement. Non, franchement. Dog Elon, ça voulait dire qu'ils ont bien commencé. Mais ça voulait dire que l'équipe est fatiguée. Il n'y a plus quelque chose de concret qui se fait. Quand tu suis le tweet, ils sont là. Mais bon, franchement, ils attendent un pouce de Elon Musk. Mais Elon Musk, il les ignore. Tous les mêmes, comme vous allez voir, qu'ils ont un regard croisé sur Elon Musk. Et elle était montée parce qu'il semblait qu'il devait avoir une liste sur Binance. Et jusqu'à maintenant, on est là, on attend. Peut-être un jour que Binance voulait la liste, je ne saurais vous le dire, malheureusement. Et je continue encore, peut-être avec un autre. Non, il y a des mêmes aussi, hein, donc qui fait partie de l'écosystème de l'écosystème de qui là est de. Ah! De Shibarium, oui, donc il aussi peut nous surprendre. Et il y a aussi un meme coin qui est sorti récemment, qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de bruit, mais qui n'est pas, bon, vous savez, qui n'est pas encore visible, hein, parce que les gens reçoivent ça gratuitement. Malheureusement, ce meme coin, les gens reçoivent ça gratuitement. C'est le meme coin, il y a Bob aussi, hein, il y a Bob aussi qui est là, hein, il y a, c'est pas le meme coin les plus communément utilisés, bon,
Je dis, les gars, je n'ai pas la boude. Le même quoi, elle, oui, le même quoi, elle aussi. Ils ont commencé les burns. On ne sait pas. C'est monté. Après, c'est descendu. Ils ont commencé. On ne sait pas où ça va en venir. On verra bien. Et le fondateur de BeatMex soutient beaucoup ce même coin. Elle gagne des listings. Elle a une partie pour les listings. Donc, les gars, tout est possible. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais pour que toi, tu puisses avoir une idée générale sur les mêmes coins qui pourront peut-être, hein, et voilà, sortir la tête de l'eau. Je n'ai pas la boule de cristal. Donc, le deuxième lien d'échange de vidéo, là, si tu veux vendre ces mêmes coins-là ou les acheter, je te recommande aussi Mers Global, les seigneurs Mers Global. Et n'oubliez pas, Easy Exchange pour vos achats et vendre des crypto-monnaies avec le franc CFA. À la prochaine vidéo et ciao.